Voici donc Valpar qui, sous vos yeux ébahis, a remporté le derby allemand. Et donc le numéro 21, Valpar, vainqueur, enfin Valpar, qui disait le commentateur allemand, puisqu'il s'est imposé dans le derby qui se dispute tous les ans le premier dimanche de juillet. Souvent dans le terrain lourd d'ailleurs, malgré la saison sur l'hippodrome de Hambourg, c'est tout au nord de l'Allemagne. Une course de référence s'il en est, qui a donné tant de grands champions étalons, toute l'influence essentielle du sang allemand qui est arrivé en France à travers les Monsoon, entre autres, les Network et compagnie, les AKT Lango également, viennent donc d'une course qui est vraiment la course qui compte en Allemagne, c'est le derby. AKT Lango d'ailleurs, c'est le père de mère de Valpark, qui lui est issu du croisement de des pures souches allemandes, donc avec une mère par AKT Lango, avec le plus grand étalon qui fait la monte en Angleterre, il s'agit de Dubawi. Dubawi, dont le prix de saillie coûte non officiellement 350 000 euros. Si vous avez ça dans les poches, je vous conseille d'aller à Dubawi. Sinon, si vous n'avez que 4 000 euros dans les poches, eh bien vous pouvez aller à Valpark. Un des rares fils de l'extraordinaire Dubawi qui fait la monte en France. Il fait la monte au Haras d'Annebo chez Vita et Nicolo Riva. Il a saillé 250 juments pendant ses 4 premières saisons de monte. Les premiers 3 ans à courir en 2019. Valpark, fils de